Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, Éternel. Incline vers moi ton parce qu'on se retrouve aujourd'hui, on est à Mandi. Merci, merci pour votre accueil tellement, tellement, très, très chaleureux. Amen. Amen. Hautement spirituel. Amen. Amen. Venez ensemble. Amen, maman Safala. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous êtes, soyez les bienvenus à Mandi. Vous êtes chez vous ici. Amen. Amen. Attendez. Oui. Ne pas qu'on dit prophète des nations. Ministre universel pour la paix dans le monde. Je vous souhaite la bienvenue ici à Mandi, vous êtes chez vous, je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas, je suis en train de me demander. Pourquoi il y a des pleurs, il y a des gens en pleurs ici. La joie, la joie. On est tellement ravis. On s'y attendait même pas, moi je croyais que je viendrais trouver 10 personnes, 10 fidèles. Mais vous êtes tellement nombreux, vraiment on est dans la joie. Amen. Si on n'a jamais aimé les fidèles, on ne pourrait même pas parvenir jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on aime prendre la route pour qu'on puisse se rencontrer avec tout le monde. Amen. Vraiment vous êtes si joyeux et si aimables. On sait comment on peut s'exprimer parce que même ces jours, présenter la civilité, ils sont dans l'émotion. Amen. Émotionnés. Soyez calmes, on est là, nous sommes ensemble. Et on va encore juguler ensemble. Peut-être nous ferons à un certain moment à l'église. Amen. 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 Moi, je souhaiterais qu'on puisse tout d'abord commencer par l'église et ensuite ici. Bon, vous avez jugé bon qu'on puisse commencer par ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On est dans la joie. Amen. Sois pour moi un rocher protecteur.
cœur à sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Oh,
Ravi parce que vous vous êtes déplacé depuis Manji jusque là où vous êtes venu nous rencontrer, mais c'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est à tel point on aime totalement Manji de tout notre cœur. C'est joie immense et cet accueil combien si chaleureux, combien hautement spirituel sera gravé dans nos mémoires jusqu'à la fin de l'année. Vraiment, on est tellement dans la joie. Cette parole que vous avez accueillie ici à Manji, c'est vrai, on a passé beaucoup de places, beaucoup de villages, beaucoup de... Là, à l'entrée, là, sur le rond-point, là, c'est quel... Yombi, l'église. Et là, on venait... Oui, là. Mais Yombi, il y a pas même, même pas l'église, mais il y a quand même des habitants là-bas, il y a quand même un peuple là-bas. Mais de Mouila jusqu'ici, gloire à Dieu, on a bien ce pays si calme, si tranquille, si doux. Un pays qui a des gens, des clairvoyants qui voient, qui comprennent comme des marges, qui ont compris. Quand l'étoile était venue à Jérusalem, mais il y a des habitants de Jérusalem qui n'ont pas vu, qui n'ont même pas repéré, qui n'ont même pas entendu parler de l'étoile en question. Mais voici que dans le monde entier, l'étoile a toujours été donc connue partout. Il n'y a que trois personnes, trois marges qui ont connu l'étoile. Mais on était arrivé à Mouila, mes frères et sœurs, il y a un de traqué mental qui a compris certaines choses. On est ici à Manji. Vous tous, vous avez quand même la joie de suivre cette parole, même dans la difficulté, même dans le tourment, même dans le problème, même, même étant malade, mais vous comprenez déjà l'église et le Bananza. Grande est notre joie. Je me demande, quand je m'étais arrivé, mais comment ici à Manji ils ont connu l'Iloba? Amen. Et vous accueillez l'Iloba à bras ouverts, de tout votre cœur, de toutes vos âmes. Et vous avez l'Iloba comme un trésor qu'on ne peut pas même comprendre. Et ce trésor que Dieu nous a accordé, bien sûr, que nous avons. Beaucoup de richesses, toute richesse terrestre, ben, la population s'en occupe même pas, on n'en bénéficie même pas. Mais ces richesses célestes que Dieu nous a envoyées tous ensemble pour que nous puissions aller partout dans le monde enseigner cette bonne nouvelle. Et cette parole que Dieu nous a donnée qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne la tranquillité à tous les élus de Dieu. Voilà vraiment, une fois de plus que Dieu bénisse Manji. Un court séjour qu'on tentait d'effectuer ici, mais pour moi, je vois que c'est un long séjour. Vraiment,
comme je pourrais le dire, l'accueil aussi des gens de nos confrères de Mouila. Et ce qu'on trouve aussi ici, oh, c'est épaule le flanc, c'était pas tant. Suivez cette parole que vous avez des difficultés ou pas. La parole de Dieu n'est pas venue pour mettre fin à toute difficulté charnelle, à toute souffrance charnelle. On pourra en avoir, mais quand on a la parole, vous n'allez même pas sentir cela. Quand vous comprenez la parole, et vous serez toujours dans la joie. Amen. C'est à tel point que quand vous avez des difficultés, invoquez l'Éternel Dieu, il vous écoute directement. Même en pleine souffrance, ne vous en faites pas, laisse tomber. Toute souffrance, le Seigneur va dégager, il va enlever les taux. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, mais quand on a l'esprit, mais c'est plus que celui qui a l'argent, non? Cette faveur que Dieu nous a accordée, profitons-en, soyons ensemble, luttons pour cette cause, pour que nos âmes puissent être sauvées, afin que quand on pourra quitter cette terre des hommes, nous puissions nous retrouver tous dans le royaume de... Amen. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, il y a des églises qui sont venues dans le monde rien que pour chercher à désorienter les élus de Dieu. Pour chercher tout simplement à créer des problèmes dans les familles. Et votre père est associé. Non, qui a dit que votre père est associé? Celui qui vous a mis au monde, qui vous a élevé, votre mère est associée. Mais non, l'église de Banzambe est là pour unir les familles. Nous sommes là. Soyez aimables, soyez unis. Aimez-vous les uns les autres. L'église n'est pas là pour diviser les gens. Cette église est pour unir le monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. Nous allons unir le monde. Vous en avez? Amen. Et vous chantez cela bien sûr. L'union du peuple. Nous allons unir le peuple. Il n'y en a pas? Vous savez qu'il y a d'autres nations, quand vous voyez les Américains qui sont unis, 52 États, quand vous voyez l'Europe qui n'était pas unie, jadis qui est totalement automatiquement unie, et bien qu'on cherche à créer des problèmes aux peuples africains qui ne pouvons, qui n'acceptent pas qu'ils puissent être unis. Mais cette union dans la parole de Dieu, Dieu a toujours été content d'être dans le royaume des cieux. Et notre Dieu nous aime tant. Il vous aime tant et vous l'aimez aussi tant. Amen. Ces élus puissent être rassemblés en un seul lieu pour l'adorer, les glorifier. Parmi vous, quand vous êtes là, soyez toujours unis, comme un seul homme. Unir le peuple, amour de Dieu, le fleurira. Nous tranquille dans la meilleure bébé.
Une mission sublime que Dieu choisit son peuple africain, le peuple noir. Mais voilà que cette considération spirituelle que Dieu a placée sur vous, nous devons en profiter davantage pour suivre la parole, quoi qu'il en soit, quel que soit le tumulte, quelles que soient les difficultés. Quelle que soit toute maladie que vous pouvez, il y a des fois, être attaqué avec, soit par les ennemis qui seront toujours là, mais vous ne pourrez même pas avoir peur. Et n'ayez peur de rien quand vous êtes dans la parole.
N'ayez peur de rien quand vous êtes dans la parole, parce que notre Dieu a toujours été devant vous. Et il a toujours été au milieu de vous pour vous soutenir, pour bander tous vos plaies, pour vous apporter beaucoup de bonheur. Amen, peuple de Dieu. Sur tel point, réjouissez-vous toujours. Même si vous avez beaucoup de difficultés, toutes les difficultés, le Seigneur pourra dégager. Même tout tumulte, le Seigneur pourra toujours vous consoler. La consolation de Dieu, c'est tellement important. Que la consolation humaine, Dieu vous a visité. Et vous avez crié en cette parole, il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup d'épreuves, mais toutes ces épreuves-là, notre Dieu pourra le dégager. Et tout est timide, soyez toujours sereins. Parce que quand on suit la parole de Dieu, on a l'assurance qu'un jour, on pourra obtenir la vie éternelle. Et vos âmes aussi seront sauvées. Le salut de la vie éternelle, c'est ce qui est important. Le salut de la vie éternelle, voilà l'apport de cette église que vous voyez. On ne vient pas vous dire que pour que vous puissiez obtenir la bénédiction donnée ceci, cela, non, aimez-vous les uns les autres. C'est des problèmes à arranger, parce que là où il y a des élus de Dieu, le diable cherche toujours à s'y introduire pour chercher à détourner ceux qui sont élus pour qu'ils puissent les détourner de la bonne voie, pour les orienter dans une mauvaise voie. Oh, qu'est-ce que vous voyez, ce que vous avez ici, vous avez totalement le salut. Et le salut vous sera totalement accordé. Pas qu'il en soit. Amen. On ne vous brandit pas tout simplement des miracles. On ne vous brandit pas les oracles. Mais c'est qu'on vous enseigne, aimez-vous les uns les autres. Le diable ne manquera pas de s'introduire ici pour vous troubler. Mais ne soyez pas troublés. Soyez sereins. Dieu est avec vous. Il marchera toujours devant vous. Voilà, c'est à tel point qu'il nous a donné l'occasion que nous puissions venir afin qu'on puisse se rencontrer, afin que nous puissions être ensemble avec vous. Cette présence, c'est la volonté de notre Dieu. C'est à tel point que vous accueillez cette église avec beaucoup de joie. Quand vous êtes dans l'Iloba, vous avez toujours l'assurance que vous verrez la présence de Dieu éternel, Dieu tout-puissant. C'est à tel point, ayez la patience, ayez la foi, ayez la douceur, ayez la tempérance, toute branche de la charité, et Dieu vous bénira davantage. Confiez-vous à l'Éternel de tout le mal, de tous les problèmes, confiez-vous à l'Éternel, n'ayez peur de rien, car Dieu vous accordera son salut. Qui ne peut jamais accorder à n'importe qui. Ceux qui prient dans le désordre, jamais, jamais Dieu n'écoutera leurs supplications. Il faut, quand vous êtes sur la terre, vous devez absolument jauger, comprendre et avoir le don de discernement pour discerner certaines choses. Amen. Parce que le diable est là pour... Il est rusé, hein? Il se déguise aussi en l'ange de lumière. Il se déguise dans beaucoup de choses, beaucoup de mauvais esprits. Esprits démoniaques, esprits déserts, esprits de mer, esprits d'ange de lumière, esprits d'antéchrist. Le diable se déguise en tout moment. Donc tout ce que vous entendez, église, telle ou telle église, on ne critique pas les églises, mais frères et sœurs, nous sommes, comme on a toujours dit à Libreville, nous sommes au bon endroit. La réalité divine, il a mis cela dans son église, la parole de... C'est à tel point que les chansons qu'on chante là dehors, on a composé par les gens. Mais les chansons que vous chantez ici, les cantiques nouveaux dans la Bible, le cantique de Moïse et l'agneau dans la Bible,
La septième trompette dans la Bible. Amen. Chant d'action de grâce dans la Bible. Voilà tous ces cantiques. Quand vous chantez là dehors, les gens sont en train de t'estonner. C'est quoi encore? Mais quel est ce genre de chanson? Amen. Et on a crié derrière, après le cantique nouveau, qu'est-ce qu'on a crié? Ceux qui pourront chanter ces cantiques, tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur. Vous allez régner sur la terre. Ne voyez-vous pas que vous avez déjà commencé à régner? Parce que quand vous pensez, ceux qui ont des histoires nocturnes, ils vous voient déjà. Tu veux voir déjà, écouter déjà. Vous savez une histoire qui s'était passée à Kinshasa récemment, hein? C'est pas longtemps. Il y a une sœur qui est allée chercher du travail quelque part parce qu'elle tentait de souffrir, malgré tout, mais avec beaucoup d'assurance qu'elle va se réjouir. Mais elle est entrée quelque part, elle a trouvé la parcelle, des grandes parcelles, des riches là que vous connaissez. Toc, 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 oui, la maman a dit entrez. La sœur est entrée, maman, je viens chercher du travail parce que je suis en train de souffrir. Je vois que vous pouvez m'engager ici. Ah, ma sœur, ma fille, j'aime bien, mais mon mari n'est pas là. Revenez demain pour que vous puissiez vous rencontrer avec mon mari. C'est lui qui a toujours donné le dernier mot. D'accord, je vais revenir. Au revoir, maman. Ah, bon, il a dit avec beaucoup de gentillesse, ils se sont séparés. Mais quand il est revenu, le jour suivant, quand il était revenu, il a pu trouver le mari qui était déjà là. Ah, madame, c'est la fille en question que vous m'avez parlé. La maman, avec beaucoup de gentillesse, elle a dit, oui, mon mari. Mais le mari rétorqua, mais madame, ici on ne reçoit pas les gens de l'Iloba ici. Mais où est-ce qu'il a constaté cela? Où est-ce qu'il a vu les gens de l'Iloba? Que c'est une fidèle de l'église Iloba. Madame, on ne reçoit pas les gens de l'Iloba ici. Non, non, c'est impossible. Son éclat me dérange. Il a constaté quoi? On a écrit, vous, quand vous convertissez dans l'église Iloba, Dieu a toujours marqué son sceau sur vos fronts. Que les gens nocturnes ne pourront à tout moment vous repérer facilement. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, avec beaucoup de remords, la sœur pourra demander, est-ce que vous ne pouvez pas me pardonner? Qui vous a dit que moi je suis dans l'Iloba? Ma sœur, je ne te supporte pas. Allez-vous-en. Vous savez, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes en train de chercher du travail, vous avez trouvé un moment pour que là on devait vous engager, mais on a dit, qu'on parle, on ne prend pas les gens de l'Iloba. Elle est sortie avec beaucoup de remords, beaucoup de soucis, plein de soucis. Arrivée en bord de la route pour chercher le moyen de transport qui devait l'amener là où elle habite. Et subitement, dans une jeep comme cela, elle voit sa copine de l'école. Oh, ma copine, je te vois depuis tout ce temps-là où tu ne voyais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ma copine, c'est une chance pour moi. Je suis allé chercher le travail, mais on m'a refusé. Oh, d'accord, monte dans ma jeep. Pas de jeep, le parfumé, hein? Là, c'est remonté, là, il est monté à bord. Allons, on part maintenant. Bon, chez moi. Quand vous avez une copine, vous avez été sur le banc de l'école ensemble, regardez un peu, et vous voyez que l'autre a... beaucoup évolué et que vous êtes en train de trottiner comme cela avec beaucoup d'étonnement. Il entre dans la parcelle. Quel milieu de riches là on a toujours dit Gombe. Ah, regardez ma parcelle, ma copine. Dès aujourd'hui, quand vous m'avez vu, vous devenez une dame de valeur. Ah bon, d'accord, nous entrons à la maison. On est entré dans la maison et elle a montré, voilà ma maison. Ça veut dire la maison de ceux qui ont beaucoup de pognon. Ça, j'étais comment? Quand vous faites entrer dans ce genre de maison, vous faites quoi? Waouh! Dans l'étonnement. Vous serez à tout moment, tout le temps, jusqu'il en tournant le regard de ça. Regardez, regardez tous mes biens.
Ah, dès aujourd'hui, quand vous m'avez vu, ma copine, vous êtes parmi les riches du monde. Mais encore alors, bon, on va vous donner du travail. Mais quel genre de travail? Et il y a une dame blanche qui est sortie de l'autre côté. Ah, nos autres, ils sont là. Ah, bon, ah, soyez les bienvenus, mes hôtes. Elle sort avec un calepin, avec un stylo. Ouais. De quoi donc il s'agit? Alors, elle a pu trouver là-bas quatre personnes qui étaient là. J'étais aussi à deux dans la Jeep. Alors, elle a dit, bon, voilà, je vous invite, vous signez ces calepins. D'autres qui étaient là, par soif de travail, quand vous avez cherché le travail, vous n'avez même pas trouvé pendant longtemps, mais on vous présente maintenant un calepin pour signer. Malgré tout, vous devez tout d'abord vérifier. Et d'autres ont signé. Et la sœur en question, avec un autre gars qui était là dans la Jeep, il a dit, mais d'accord, on doit signer. Mais où est le travail? Je dois tout d'abord connaître le travail que je vais faire. Il a dit, mais ma copine, mais pourquoi tu es toujours insolente comme cela? Hein, tu ne changes pas, mais tu dois évoluer. Il faut comprendre. Mais comprendre quoi? Moi, je dois signer. Mais avant de signer, je dois connaître ce que je veux faire. Amen. Bon, comme tu as exigé, bon, on vous fait voir le travail que vous allez commencer à faire. Allons, on a ouvert la première chambre de chiots. Vous connaissez les chiots? De petits chats, nombreux de petits chats. Oui, des chatons comme cela. À chiot, le chien comme cela, une chambre de chiens, de petits chiens là, plein dans la chambre. La chambre des châteaux. Chatons. Alors, pour les hommes, on a ouvert la troisième chambre des poupées. Alors, elle a demandé, mais alors, on voit des petits chats, on voit des petits chiens. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Le laver? Le faire manger ou quoi? De prendre soin de toutes ces histoires-là? Oui. Oh, ma copine, pourquoi tu ne comprends pas? Quand vous faites 45 jours, vous allaitez tous ces petits chats, vous avez 43 000 dollars. Quand vous allaitez ces petits chiens, 45 jours, hein, vous les allaitez. Avec vos seins maternels. Mais vous avez 40 000 dollars. 40 000 dollars en à ces fois, c'est 30 millions. Vous êtes pauvre, ma soeur. Vous n'avez jamais vu un fils qu'un 100 dollars. 42 000 francs, je ne sais pas. 100 000 dollars. Non, de 100 dollars, c'est... 100 dollars, c'est 68 000 dollars. Vous n'avez jamais touché 68 000 entre vos mains. Maintenant, vous allez toucher 30 millions de francs CFA. Pendant 45 jours, vous allaitez les chats. Comment vous allez... Quelle sera votre réaction? Et les gars, les garçons, toutes ces poupées, vous savez quand on a toujours pris ces poupées, pour ceux qui vendent des histoires, vous savez comment ça fait, comment ça donne, comme des humains. Voilà ce que le travail qu'on leur avait présenté. Et la sœur a dit, moi je suis des Iloba, pas question. Moi c'est pas ça le travail, je cherche un autre travail. Le responsable est reparti dans son... truc. Il est allé faire des incantations encore une fois de plus. Bon, et la sœur a compris que c'est une fille de Liloba. Parce que c'est pas comment on a toujours repéré. On l'a repéré toujours. Mais n'ayez pas peur si on vous repère par les gens du diable. Parce que ce sont eux qui vont avoir des problèmes. Vous n'aurez aucun problème parce que Dieu vous protège tout le temps. Alors la sœur a dit, moi, pas question, fais-moi sortir, je dois rentrer chez moi. Et les garçons, Simon a dit, bon, la fille n'a pas accepté, mais toi, garçon, la fille a dit, même ce pauvre garçon, nous sortons avec lui. Si d'autres ont pu signer pour prendre leur sang,
tant bien, mais nous, on sort. Et sa copine a dit, vous savez pas que quand on entre ici, on sort plus. On sort plus, pourquoi? Moi, je dois sortir. Et la dame qui était partie pour voir là où il y a l'hôtel, tout était déjà foutu, il n'y a plus la lumière, tout est éteint. Elle est sortie vite, faites sortir cette dame-là. Déjà, toutes mes histoires sont en flammes. Faites-la sortir, sinon nous serons tous foutus. Et on a dit, bon, levez-vous, tous les deux, et allez-vous-en. Et ils sont sortis de la maison. Quand ils sont arrivés là où il y a les guettes, le portail, il y a le centenaire qui a dit, mais comment? Mais d'où vous êtes? Vous sortez ici. Ici, on entre et on sort plus. Mais comment vous avez fait? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand il a vu sur le front, ah, ma soeur, non, on ne peut pas continuer à considérer avec vous. Vous voyez tout ce qui se trouve dans cette parcelle. Tout ce que vous voyez, c'est du cimetière. On a toujours enterré les gens ici. Allez-y comprendre. La force que vous, les enfants de là-bas, vous avez. Allez-y comprendre. La réalité que le Seigneur a toujours mis dans tous vos êtres. Ayez la foi. Et alors, la sœur devrait être bouleversée parce qu'elle n'a pas trouvé du travail. Elle se réjouit parce que ceux qui devront, ceux qui détruisent les gens n'ont pas pu la toucher. Et le Seigneur pourra le bénir. Elle va être bénie, cette dame-là. Amen, frères et sœurs. Voilà la réalité qui s'était passée, pas même longtemps. Ça fait un mois. Et on a toujours eu beaucoup de témoignages. Vous savez, là, Kinshasa, il y a toujours kidnapping. On kidnappe, mais là où il y a l'abattoir, et les gens disent, non, vous, on ne vous touche pas. Il y a quelqu'un de ceux qu'on a libéré. Vous ne savez pas qu'ici, on n'emmène pas des gens là-bas parce qu'eux, ils ne touchent pas du sang. On ne peut même pas toucher leur sang. Faites-les sortir. Mais quelle grandeur, mais quel privilège avez-vous vis-à-vis de votre Dieu? Notre Dieu a toujours veillé sur vous. Où que vous soyez, notre Dieu a toujours été tout le temps auprès de vous. Donc, soit dans cette église, on peut vous désorienter. Ne soyez pas lâche pour céder, pour quitter, demeurer dans l'église là-bas. Soyez toujours heureux parce que Dieu connaît tous vos pensées, il connaît tous vos problèmes, il connaît toutes vos difficultés. Il agira à un moment opportun. Ne soyez pas pressés pour être dans la joie dans cette église, pour trouver ceci ou cela. Soyez toujours patients. Parce que notre Dieu a toujours aimé, tout fidèle qui a toujours été patient. Parce que, voilà, les croyants du monde, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu, descend, venez, faites ceci, cela. Est-ce qu'un fidèle doit commander Dieu, doit donner des ordres à Dieu? Mais vous, par contre, vous ne devez pas donner les ordres à notre Dieu. Vous faites tout simplement du bien. C'est à travers ce bien que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train, que vous aurez la bénédiction totale. Et la véritable bénédiction que notre Dieu a toujours orienté tous ses fidèles, la véritable bénédiction quand on finira quitter cette terre des hommes, cette chair pourra un jour tomber afin que l'âme puisse continuer à vivre dans le royaume de Dieu. Merci beaucoup frères et sœurs, parce qu'on a quand même fait un long trajet avec la route qui n'est pas encore totalement asphaltée. C'est un peu compliqué avec des secousses comme cela. On doit se reposer parce qu'on a tout d'abord causé avec nos confrères de Mouila. On a eu un bon bout de temps qu'on a été avec eux, bien qu'ils nous ont. Ils ne voulaient pas nous lâcher, nos confrères de Mouila. C'est pas comment on va faire. Hein? Vraiment, comme on vous a trouvé si joyeux, si gentil, si aimable, nous vous aimons tant. Nous vous aimons de tout notre cœur. Voilà le petit message que le Seigneur avait pour vous annoncer. Je ne sais pas si parmi vous il y a des questions, si on pourra, il y a des fois,
prendre un peu de temps, un petit moment, soit 15 minutes pour la causerie, et s'il y a des questions à poser. On pourra commencer par des frères, si c'est possible, si vous avez des questions. Et je trouve même les 100%... Les 100% de Manzi, mais c'est compliqué. Ils sont totalement butés, spécialement. Et le cercle des équipes, vraiment, c'est extraordinaire. On aime bien ce que on est venu trouver ici à Manzi. Merci beaucoup pour tout. S'il y a des questions, c'est possible. On commence par les frères s'il y a des questions à poser. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je viens auprès du prophète Condé pour souligner un souci qui nous embête ici à Manji. D'abord, en premier, on a d'abord le problème de la route, vous-même vous avez fait état. En deuxième position, je ne sais pas si vraiment l'Éternel peut nous aider à ouvrir les cœurs de nos hommes politiques, de nous faire cette route-là. Amen. Amen. En deuxième position, moi j'habite un campement. On a des éléphants qui nous embêtent ici, on n'arrive plus à manger notre nourriture qu'on plante. On plante pour les éléphants. Amen. Amen. Mais les éléphants, ce sont nos frères. Hein? Ce sont nos frères. Nous devons les aimer. Parce que quand on est dans la parole, on ne peut pas déranger nos frères qui sont dans leur fief. La forêt leur appartient. Ok? Nous allons beaucoup prier pour qu'ils ne puissent pas continuellement toucher soit le champ des habitants, parce que les habitants doivent vivre. Sinon, ça serait un peu compliqué, mais on doit non plus le chasser, non plus. Et la route, comme on est venu, vous savez qu'auparavant, quand on était allé à Oyem, en premier, il n'y avait pas. Non. La route était totale. Oui. Donc. Il y avait des bourbiers impossibles. Et quand on s'était déplacé, premièrement, avec la route de Franceville, oh là 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 là, les bourbiers, là, la route a toujours été impossible, impraticable. Mais depuis qu'on était arrivé là, la route, au niveau de Franceville, s'est fait. Notre Dieu a arrangé. Et quand on est venu avec cette route, quand on a prêté cette voie, et soyez-en sûrs, on ne peut pas les obliger non plus. On ne peut pas aller devant les autorités leur dire que faites cette route, travaillez. Non, avec la prière que nous sommes en train de faire, vous verrez qu'un jour la route sera faite. Amen. C'est pareil partout, on a toujours foulé les pieds. On a été en Angola pour atteindre Lubango. Oh là 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 là, 1200 km sans travailler. Une route impossible, impraticable, 1200 km. Dès qu'on a fait deux tours, Lubango Angola, Lubango Luanda, la route maintenant est faite, 1200 km. C'est pareil à Brazzaville. On a fait une tournée pastorale de Brazzaville à Beto. Des Brazzaville à Beto. Mais impossible. Une route, on ne peut même pas aller. Mais notre Dieu a dit, nous allons par la route. Nous, on aime bien par la route parce que nous devons vivre tous nos amis, tous nos frères qui sont en cours de route. Même les églises, là où il y a même deux personnes, comment ils peuvent se mobiliser pour nous appeler? C'est impossible. Par nos propres frères, on doit quand même se déplacer pour rencontrer tout le monde. Alors la route, aujourd'hui là, est faite. Donc partout où on rencontre des difficultés, premièrement, la première fois, la prochaine fois, la route a toujours été faite. Donc plus tard, on ne vous dira pas que c'est aujourd'hui qu'on va le faire bien l'année prochaine, mais notre Dieu connaît comment il va parler avec les autorités. Merci beaucoup. Ayez la foi, tout ira mieux. Il y a une autre question? Amen, Libota. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Alors, Amen, Libota. Amen. Et, papa, Amen. Amen. Et ma question, c'est d'abord, premièrement, de vous remercier pour le cadeau
que un combat que vous avez offert depuis 2021 et 2022. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que depuis 2021-2022, vous faites réussir mon cœur. Pourquoi? Par des cantiques tous les jours. Vous faites tout pour que nous, le peuple du Gabon, du monde entier, qu'on a toujours les nouveaux cantiques. Toujours, vous êtes toujours au four, au moulin, à ce qu'on ne manque pas de cantiques. Pour ça, je voulais vraiment vous remercier pour ça, pour ce cadeau. Amen. Et ma question de savoir, c'est vrai que vous, on dit le royaume des cieux. Papa, moi, je veux vraiment savoir. Parce qu'en vous voyant, c'est comme si ce monde ne vous intéresse plus. Quelle est vraiment votre force? À quoi vous attachez? Que vous êtes toujours tellement attaché à l'Éternel que ce monde, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vraiment Dieu vous a tant montré que. C'est vrai que nous, on ne peut pas comprendre, mais on vous suit toujours. Mais on a envie vraiment de savoir qu'est-ce que vous accrochez vraiment, quelle est cette puissance, qu'est-ce que Dieu vous a montré quand il vous avait pris pour vous montrer les choses. Amen. C'est un peu ça ma question, parce que j'ai envie de savoir, papa. Merci beaucoup. Et rien que l'amour. À cause de cet amour, Dieu se manifeste aussi davantage. Et cette force que nous a accordée ne sera pas une force personnelle, mais une force pour tout le monde qui se convertiront dans l'église de Lobana. Si vous avez cet amour-là incommensurable, cet amour-là qui n'a pas de préjugements, qui n'a pas de limites, cet amour-là, vous devez être ouvert vis-à-vis de tout le monde, tout être humain que Dieu avait créé sur la terre. Parce que Dieu a tant aimé le monde et tout ce qu'il a créé. Mais l'homme qu'il a créé, il y a des fois, il aime ça, il n'aime pas ça. Il aime celui-ci, il n'aime pas celui-là. Mais il aime alors cette division. C'est ce qui crée un peu cette distance entre Dieu et l'homme. Mais quand l'homme est rempli avec beaucoup de plénitude d'amour du Saint-Esprit, vous verrez que cette puissance vous sera aussi accordée. C'est à tel point. À partir de la jeunesse de votre frère, il y a une histoire qui vous sera, il y a des fois aussi relatée. Et on aura le temps, parce que quand on aura le temps même un dimanche, pour qu'on puisse être ensemble, communier ensemble, à ce moment-là, on pourrait vous relater de tout et pour tout. Et les serviteurs de Dieu sont là aussi pour vous dire de tout ce qu'on a passé dès la jeunesse. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on aime tant tout. Univers, quand vous aimez tout cet univers, quand vous n'avez pas de limites, quand vous êtes aimable avec tout le monde, c'est à tel point ce chanson qu'on a chanté. Dieu nous a confié cette mission d'unir le monde entier, parce que le monde a toujours été séparé, divisé, coupé en morceaux. Ce que Dieu n'a même pas besoin. Dieu aime son univers qu'il a créé. Cet immense univers que Dieu a créé. Mais il ne se manifeste, il vient même pas dire à quelqu'un, attention, c'est moi qui ai créé tout ça. Non, il s'est retiré calmement et il ne dit rien. Mais quand il voit quelqu'un qui est totalement emporté par les ailes de l'esprit, cet amour-là qu'il nous a toujours demandé, et Dieu s'incarne en lui. C'est l'incarnation de la volonté de Dieu Tout-Puissant, Créateur sur la terre lui-même. Amen. Si vous aussi vous faites cela, notre Dieu vous accordera beaucoup de puissance. Et cette puissance-là, ce n'est pas pour personnaliser, pour dire que voilà la puissance, ma puissance. Non, ce n'est pas une puissance d'une personne personnellement, non. C'est une puissance de l'univers, de son salut. Il envoie pour sauver l'humanité tout entière. Amen. Amen. Donc soyez toujours heureux, aimez-vous les uns les autres. Merci. Amen, femme de Christ. Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Amen, papa Koundé. Je viens Amen. Vous remercier premièrement pour avoir foulé les pieds dans la ville de Mondji, pour venir décanter plusieurs situations qui sont compliquées dans notre ville. Je vous remercie encore d'avoir foulé les pieds
dans notre pays, le Gabon, pour venir encore nous procurer la paix, l'amour que nous recherchons. Moi, j'aimerais savoir, j'ai une question. Il écrit dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais savoir pourquoi Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique pour en sacrifice pour sauver l'homme qui est orgueilleux, sans amour, pécheur, malfaiteur, qui commet toutes sortes d'abominables. Mais Dieu a tant aimé ce monde, qui dit monde, dit l'homme, celui qui vit à l'intérieur. J'aimerais savoir pourquoi Dieu a tant aimé l'homme. Amen, femme de Christ. Amen, peuple de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. C'est sa créature. Il a créé. C'est comme vous. Vous avez tous vos vêtements dans la maison. Et quel est le vêtement, hein? Le vêtement que vous allez aimer plus que d'autres vêtements. Quel est l'habit que vous allez prendre de préférence plus que d'autres habits? Vous allez avoir l'amour pour tous vos habits. Les histoires qui n'ont même pas un souffle à nez. Des objets. Mais à combien plus forte raison que cet univers que Dieu a créé, qui puisse rejeter, qui puisse mettre à côté? Non. Il a toujours l'envie de sauver l'univers. C'est l'homme, parce qu'on a toujours dit l'homme est bon, mais la société le rend mauvais. Ça fait que quand l'homme vient sur la terre, le jour de sa naissance, l'enfant a toujours été aimable. Mais quand l'enfant commence à prendre l'âge, il se rencontre avec d'autres personnes qui vont commencer à lui prodiguer des mauvaises conseils, c'est à tel point à ce moment-là, l'homme se détourne de la bonne voie pour suivre la mauvaise voie. Mais Dieu a toujours eu besoin de sauver cette humanité, cet univers. Dieu aime l'univers qu'il avait passionné de sa volonté, de sa propre volonté. Alors, il ne pourra même pas abandonner son univers. À tel point qu'auparavant, pour être rédempteur de ses péchés, il y avait des sacrifices. On sacrifiait des animaux pour être lavé de ses péchés, purifié de ses péchés. Quand on commettait un péché, on tuait des animaux pour aller sacrifier dans des autels. Mais maintenant, Dieu a vu ça que ce n'était pas tellement bon. C'est à tel point qu'il a jugé mien. Mais comment je devais sauver cette humanité qui est déjà virée par le diable? C'est à tel point qu'il a fait son mieux possible pour que Jésus puisse venir. Comme Jésus était venu, alors le sang qu'on a répandu, on l'a mis sur la croix pour les rédemptions des péchés maintenant de l'homme. Quand l'homme commet un péché et qu'il se convertit, c'est qu'il croit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui croient au nom de Jésus là-dehors. On vous dit au nom de Jésus, mais ici, Jésus-Christ de Nazareth. Depuis 1995, il n'y avait aucune église qui parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand j'avais commencé à expliquer cela à la télé, maintenant que tous les servants, disons, ceux qui servent Dieu, soi-disant Dieu, dans le mal aussi, ils prononcent au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, quand vous convertissez, quand vous changez de camp, pour ne plus continuer à être mauvais, mais devenir bon, pour que notre Dieu puisse vous transformer, alors vous serez automatiquement pardonné par le sang de notre Christ, qui s'est sacrifié, qui a accepté la souffrance, cette souffrance qu'on l'a imposée avec beaucoup d'atrocités sur la croix. L'homme a toujours été méchant, les hommes du diable qui tourmentent toujours les enfants de Dieu, mais la parole de Dieu est venue pour essayer de prendre tout le monde, de faire convertir tout le monde, bon ou mauvais, méchant ou gentil, donc sont des enfants, tous les enfants de Dieu. Dieu a toujours aimé tout ce qu'il a créé. C'est à tel point qu'on a écrit dans la Bible que tout ce que Dieu a créé est bon. Mais c'est le diable qui est venu détruire pour chercher à ruiner les enfants de Dieu afin que leurs âmes ne puissent pas être sauvées. Mais nous avons l'assurance qu'avec cette parole, une fois de plus, qui vient nous accorder, nous noirs, si nous mettons d'un commun accord au travail, et le monde sera sauvé. Amen. Amen. Amen.
s'il y a encore de sœurs, de mamans qui peuvent aussi poser des questions. Pour le moment, il n'y a pas de questions, hein, ils ont la foi, peut-être. Vous avez la foi, hein? Je vois nos mamans de Mangi, ils ont pleinement, ils ont grandement la foi. Vraiment que Dieu vous protège davantage. Amen. Donc aujourd'hui, la joie est immense parce qu'on est ensemble. Et cette rencontre, notre Dieu connaît ce qu'il fera pour vous. Mais pourquoi pas développer? Pourquoi il ne pourra même pas développer ce contrée? Parce qu'on dirait que c'était un peu désenclavé. C'est un peu enclavé, mais ça pourra être un jour désenclavé. Ayez la foi, ayez la paix. Un jour, on reviendra ici. Et ça pourra être une grande ville. Jeune, la parole de Dieu vous appartient. Tenez bon, confiez-vous à l'Éternel. Apportez l'amour à tout le monde. Aimez-vous les uns les autres d'un commun accord. Notre Dieu vous bénira davantage. Voilà, un petit entretien, un entretien peut-être très court, mais spirituel. Amen. Amen. Soyez heureux comme on est tous heureux, on est content. Une fois de plus, notre Dieu veillera sur vous. De toutes les épreuves que vous endurez, ayez la foi. J'ai tellement envie que nous soyons là jusqu'à 18h, 19h. On est parti, on a pris route. Pour les secours, après pour on doit un peu se reposer. Pardon. Un autre Dieu va agir. On t'adresse. Il ne vient pas. Il ne vient pas. Quand les arcs-en-ciel vous enlèvent les peurs que nous avons dans le vent. Avec cette foi que vous avez aujourd'hui, notre Dieu va vous bénir. Que ça prenne du temps pour être tranquille, que vous soyez pour être guéri, que ça prenne du temps ou pas. Soyez sereins et la foi, tout ira mieux. Nous prions. D'accord, nous prions. Faisons une petite prière, maman. Seigneur Dieu tout-puissant, créateur sur la terre, de bénir tes jeunes serviteurs qui t'invoquent, qui t'implorent, nos confrères des magies, qui vous aiment tant, qui vous adorent tant, et donnez glorieux, Père Céleste. Nous te demandons grâce afin que vous puissiez venir en aide dans toutes leurs préoccupations. C'est toute leur mort, toute leur difficulté, notre Dieu éternel, tout puissant. Que ta grâce leur soit accordée en abondance. Et que ton amour t'a pu placer en eux pour qu'ils puissent vous suivre. Parce que ça a toujours été difficile pour les habitants, pour les contraintes, pour les élus de Dieu, ça a toujours été un bon bonjour, notre Dieu. Viens leur accorder la tranquillité, la paix et la joie de vivre. Pour qu'un jour ils puissent hériter le royaume de ciel. Ils ont tellement envie de voir ta face, notre Dieu tout-puissant, de pardonner nos péchés, d'avoir une heureux juste ici sur la terre de l'homme, notre Dieu. Et ta grâce, c'est ta gloire qui veut tous les rêves accorder. Qu'ils puissent suivre ta parole avec bonne persévérance, l'amour et la foi qui pourra être en eux pour se leur accorder ces deux foi, afin qu'ils puissent grandir dans la foi, afin qu'ils puissent opérer beaucoup de cartes d'oracle en ton nom, notre Dieu tout puissant, notre Dieu de grâce, afin que ta puissance manifeste puisse leur être accordée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur sauveur, soit du monde à tes éternels et en éternité. Amen. De Dieu tout-puissant, créateur sur la terre, vous soyez tous accordés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Voici la joie de Dieu dans les mondes.
voici la joie de Dieu dans les plus hauts des cieux. Gloria, il est saint. Nous sommes contents vraiment, nous sommes vraiment, ça nous réjouit parce que on a vraiment entendu, on a beaucoup patienté, on avait vraiment envie de lui voir. Donc vraiment nous sommes réjouis de voir notre papa venir, plus notre maman. Vraiment nous sommes contents. Vraiment c'est la première fois que papa arrive ici à Mandji. À Mandji on se moquait de notre église, que vous n'avez pas la foi dans votre église. Vous pouvez tout faire. Ce monsieur-là ne pourrait jamais arriver ici à Mandji. Et ils sont surpris de voir ce monsieur-là arriver à Mandji. Vraiment, leur cœur bat. Ils ont même peur que ce monsieur-là arrive à Mandji. Comment? Il a fait comment? Parce que là, même là, je reviens de la brousse. Je suis venu vite à l'église. Et moi aussi, je suis contente parce que papa, on attendait très longtemps. C'est maintenant qu'il arrive à Mandji. Vraiment, nous sommes tous contentes. Ok, papa, voit tous les esprits qui sont ici à Mandji et nous qui prions à l'église. Il doit nous sauver, il doit nous sortir dans la misère que nous souffrons. Mais moi là aussi, je suis malade. Papa doit voir mon corps. Il doit me délivrer parce que je suis malade. Même ma mère, elle a fait l'AVC et la Libreville. D'ici dimanche, je retourne à Libreville. C'est moi qui garde maman. Vraiment, je suis contente. C'est pour la première fois que le prophète arrive ici. Oui, c'est la première fois que le prophète arrive. Je suis tellement contente de recevoir le prophète Kondé pour le mix à grandeur ici à Mandji. Car ça fait très longtemps qu'on nous parle de lui. Ici à Mandji, les habitants ont toujours dit qu'il ne doit jamais arriver. Les gens mal parlaient de nous, tout ce qu'ils voulaient dire. Mais on a mis la foi. On dit l'union fait la force. Et cette force, Dieu nous a accordée. Vous voilà aujourd'hui. Je suis très contente, je suis dans une grande joie enfin de recevoir mon papa. Amen, Gota. Amen, papa. Amen. Alors aujourd'hui, quelle est la joie que vous partagez par rapport à la présence du prophète Kondé, le prophète par rapport à la présence du prophète Kondé, je suis très ravi et j'ai retenu puisqu'il a demandé de s'aimer entre nous. Les hommes doivent s'aimer entre eux. Donc même par rapport à mon témoignage, c'est tout ça. Parce que d'abord, il y a d'abord la route qui nous dérange tellement. Parce que quelqu'un peut déposer son tas de tubercules, au moins il sera pris quand la route est bonne. Ici on est privé, le problème des véhicules ne rentre pas parce que l'état de la route. Vous-même vous avez fait, vous avez vu que vraiment la route est bien sûr que c'est un peu praticable, mais ce n'est pas ça. Et ce qui nous dérange, c'est la venue des pachydermes qui viennent nous détruire tout ce qu'on est en train de planter. On débrousse. Mais on ne comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on dirait qu'on prend seulement pour ces pachydermes-là. Ils viennent nous dévaster les plantations, même les boire l'eau dans les fûts, derrière les maisons. C'est vraiment très alarmant pour nous. Amen. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Et jamais je ne sois confondu. Délivre-moi.